Et salut à tous et à toutes, c'est Crazyman et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V. Donc on est dans une voiture, comme vous pouvez le voir, une Ford Fiesta plus précisément. Hop, voici le petit modèle. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire quelque chose un peu spécial. Enfin, c'est pas non plus un truc de ouf quoi, mais aujourd'hui on va s'improviser apprenti pilote de bus. Conducteur plutôt, ce sera mieux que pilote. Donc aujourd'hui on va être aux commandes d'un bus, enfin prendre notre service. Bon, puisque on a trouvé un autre travail que la police, un autre travail en même temps que la police, enfin à côté, pour arrondir les fins de mois, vous voyez. Donc on est aussi chauffeur de bus pour la RATP. Donc on se situe bien sûr à Paris avec notre petit bus. Regardez, on a même l'arrêt Saint-Lazare ici. Arrêt Gare Saint-Lazare. Donc aujourd'hui voilà, on va prendre notre service en tant que chauffeur de bus. Et puis voilà, hein, on va les servir. Oups. Hop, on va éteindre la radio. Bon, on va pas se mettre tout de suite dans l'ambiance, on va rester professionnel. Donc ce qu'on va faire déjà pour débuter cette première journée en tant que chauffeur de bus, c'est qu'on va quitter le dépôt, donc qui se situe ici, près des quais quoi. Et on va se rendre tout de suite à ce qui pourrait être une gare des bus. Enfin, voilà. Donc je vais me rendre tout de suite à cet endroit et puis on choisira ensuite notre destination afin de desservir nos premiers arrêts. Donc voilà. Bon, je vais vous faire une petite coupure pour accélérer un petit peu tout ça. Ou au pire, vous savez quoi? Avance rapide les gens. Regardez, c'est magique. Hop les...
Et voilà les gens, donc on vient juste d'arriver à la station de bus, enfin à la petite gare de bus. Vous pouvez voir qu'on a plusieurs sortes de bus. Donc on a les bus de voyage, donc qui sont représentés ici par les bus, enfin par les Flixbus. Certains d'entre vous connaîtront peut-être. Enfin je sais que j'en ai déjà pris un moi pour aller jusque Paris. Enfin voilà quoi, donc ça c'était assez c'est impressionnant de les voir dans GTA. Enfin en tout cas ça l'était pour moi. Et on a aussi comme le mien, le petit bus de la RATP avec lequel on va opérer toute la journée, on va dire en tant que chauffeur de bus. Donc, je vais vite fait me garer ici, vous faire un petit tour de la station en gros. Donc vous pouvez voir qu'on a plusieurs bus semblables aux miens qui sont garés à cette station. On a aussi quelques petits clients par ici. Donc, je précise que c'est moi qui ai aménagé un peu tout ça. Hein. voilà. Donc ici pareil, on a des bus en stationnement. Des collègues qui ont certainement pris leur pause. Ah, on a aussi des petits techniciens qui travaillent sur la maintenance de nos bus. Bon, certes, on fait ça un peu en public. Ah, j'ai pas de tête. Ok, nickel. Donc on fait ça certes un peu en public, mais voilà quoi. Hein. C'était pour donner un peu de vie à cette gare. Donc voilà, donc sans tarder. Ah tiens, j'ai oublié de me mettre hors ligne sur Steam. C'est pas malin ça. Sans plus tarder, on va, grâce au mode qui s'appelle Rush Transportation, vous pourrez le trouver dans la description. Hop, on va couper la radio. On va se prendre une petite ligne. J'étais pas... Ah si, si, si. Ok. Donc, start new line. Personnellement, en fait, je vais prendre une ligne un peu au pif, parce que je ne sais plus vraiment quelle ligne correspond à quel trajet. Donc, on va se prendre, hop, la C. Je crois que c'est nickel, ça démarre ici. Oh bah nickel. Et hop, sans le faire exprès, je fais les choses bien. Vous avez vu ça ? Merveilleux. Par contre, je crois que lui il va me gêner. Au pire, on va se mettre un peu ici. Donc là, je pense que ça va le faire. Donc ce mode, je trouve assez vraiment complet. Regardez, c'est moi qui vais ouvrir la porte. On va voir, enfin si... S'il n'y a pas de problème, mes clients montés. Bienvenue, bonjour. Ah, pas de titre de transport, ok, c'est pas grave. Donc on a aussi un petit UHD enfin en bas à droite, comme vous pourrez voir, qui nous montre comme quoi nos portes sont ouvertes, notre kilométrage, notre barre d'essence, notre l'état du véhicule, ainsi que la vitesse. Bien sûr, elle ne varie pas puisque je suis à l'arrêt, évidemment. Hop. On a même les clignotants qui se mettent. Donc voilà les warnings puisque on est arrêté. D'ailleurs, que font mes clients? Que font-ils? Bon, bref. Donc voilà, donc je le trouve vraiment assez complet. Je cherchais vraiment un petit mode de bus un peu dans le genre afin de vous faire une petite vidéo dessus. Puis moi de me faire un peu kiffer, on va dire, si je peux dire ça comme ça. Puisque j'aime encore assez tout ce qui est un peu simulation. Donc chauffeur de bus, ça le fait un peu, vous voyez quoi. Et puis voilà quoi, hein. Pas tout le temps faire du LSPDFR, ou bien que je décompresse un peu sur d'autres modes ou d'autres jeux. En parlant d'autres jeux, pour ceux qui me suivent sur Twitter, hop, on est parti, on va passer au prochain arrêt. Oh bah c'est nickel, je vais profiter de petites randonnées en bus pour vous parler de quelques petites infos. Donc comme je disais, pour ceux qui l'ont vu sur Twitter et qui me suivent, j'ai publié récemment une petite annonce comme quoi j'avais fait un road trip. Donc bon, mon annonce a fait un petit peu un petit bide parce que personne n'a répondu. Ok. Je me sens un peu seul là. Enfin voilà, donc c'est vrai que vous l'avez peut-être pas vu, ou je suis peut-être pas très actif, du coup vous avez peut-être du mal à voir mes tweets un peu, je sais pas trop, enfin voilà quoi. Je m'enfonce, je sais. Enfin voilà, donc la prochaine fois, essayez de faire un petit peu plus attention. Donc si vous voulez par exemple faire un petit road trip sur The Crew, en précisant que en ce moment, enfin tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais en ce moment il est gratuit sur Uplay, donc n'hésitez pas à le prendre, même pour jouer tout seul de votre part, enfin de votre côté.
Ah, il est vraiment sympa, moi je m'éclate. Enfin, je l'avais bien avant qu'il soit gratuit. Mais je m'amuse beaucoup sur ce jeu. Donc, si vous souhaitez, je sais pas, me rejoindre ou jouer de votre côté, n'hésitez pas à le prendre et à m'envoyer un petit message sur Twitter ou Steam, bien sûr. Ou sur YouTube même, hein. Enfin voilà quoi. J'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Et puis on mettra ça en place. Puisque j'y joue déjà avec quelques amis, puis on s'amuse assez, donc pourquoi pas être encore plus, et s'amuser encore plus bien sûr. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc voilà, c'était une petite parenthèse que j'ai ouverte. Donc voilà, c'était pour vous dire ceci. Oh, what? What the hell? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Mon bus a été transparent l'instant d'une seconde. Je suis passé dans un trou noir ou je sais quoi. Enfin bref. Donc de la circulation ou quoi? Ah non, c'est lui qui avance pas. Ok. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Je vais profiter de cet épisode un peu spécial pour vous parler un petit peu, hein. Tant qu'à faire. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Donc en ce moment, j'ai pas été très actif sur ma chaîne, enfin au niveau LSPDFR, puisque beaucoup d'entre vous me suivent essentiellement pour mon LSPDFR. Donc ne vous inquiétez pas, hein, je vais continuer le LSPDFR. C'est juste que j'avais pas trop eu le temps. Ma rentrée a été un peu fatigante. Enfin, je suis assez fatigué en rentrant des cours, j'ai pas forcément le courage de record. Et puis le week-end, je décompresse un peu avec mes amis. Alors du coup, j'ai pas forcément tout le temps de record. Mais bien sûr, je vais trouver du temps pour... Ah, petit client. Bonjour messieurs, montez, montez, montez. Ou montez pas. Ok. Salut, ça. Ok, oh, c'est pas grave. Bon, en fait, s'ils vont monter, c'est juste qu'il va y avoir un petit déclic dans leur tête. Je sais pas ce qu'ils attendent vraiment. Donc, on va dire que c'est plutôt une ligne soir, puisque je vois que la nuit est tombée. Je n'avais même pas forcément fait gaffe. C'est quand vous voulez. Je vais forcer un peu les choses. Hop. Voilà. Donc, le next stop, Laguna Pays. On est parti, les gens. Ouais, Crazy Man s'improvise chauffeur de bus aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir. Si le principe vous plaît, j'essaierai de trouver d'autres petits modes comme cela, vous voyez, où on peut faire autre que du LSPDFR. Puisque c'est cool de changer aussi parfois. Hop, on arrive au prochain arrêt. Bien sûr, ils sont toujours autant déterminés à monter dans mon bus. Pas grave. Hop. On poursuit notre route. Direction San Vitus Boulevard. Oh. Oh là là. Peut-être pas fait gaffe à la signalisation. Peut-être de ma faute. Peut-être, je dis bien. On mettra un replay. Ou pas. Oh là. Merde, 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 merde. Ok, j'ai bien mordu. Non, c'est pas grave, ça passe corps. De toute façon, comme je disais, je suis qu'apprenti conducteur. Bon, certes, je suis flic dans une autre vie aussi, mais bon. Enfin, dans une autre vie. Je suis flic aussi, donc... Ok. Enfin, lui, il grille les feux. Je devrais sortir de mon bus et lui foutre un PV. Et ouais, je suis incognito dans mon bus, là. Petit bus banalisé. Oh. Il me plaît pas. Oh, j'ai cru qu'il voulait. Ok, autant pour moi. J'ai cru qu'il allait me faire sortir de mon bus pour me casser la gueule. Bon, assez long quand même comme feu rouge. Hein. Un petit travail, s'il vous plaît. D'ailleurs, il va falloir que je prenne la zone de droite pour prendre cet arrêt là. Je vais me laisser passer, j'espère. Ah, vite! Non. Ok, ça passe. Nickel. Je sais pas combien il y a d'arrêts vraiment.
faudra que je regarde. Si j'arrive à compter sur ma petite mini-carte. Normalement, j'en ai 17. On est au quatrième. Ok. Ça va le faire, inquiétez-vous pas. Oh. Ça se presse de... Ok, j'en ai beaucoup qui sont descendus. Hop. On continue notre petite escapade. En plus, on est sur un assez bon boulevard. Enfin, une route assez fréquentée. On risque de voir des choses et de rencontrer du monde ici. Enfin, bien sûr, si... La signalisation m'empêche pas d'avancer quoi. Ok, en plus je me tape les feux rouges les plus longs du monde. Ok, c'est super. Si vous voyez peut-être une petite ellipse, vraiment une petite ellipse dans la vidéo, c'est normal. C'est parce que les feux rouges m'ont saoulé. Je vais peut-être passer avec mon bazooka entre deux pour tous les démonter. Ils sont sérieux, avancez là. Putain, feu vert. Oh. Bordel. Ah ouais, bah ouais. J'avais quand même tapé le feu orange. Ah mais c'est quoi ça? Ah. On a un petit arrêt ici. Oups. Ah, je crois que j'ai passé l'arrêt. Attends pour moi. Hop, voilà, nickel. Au revoir, à bientôt à la RATP. On est reparti. Oh, c'est un peu dur de consulter les rétros, surtout quand on n'en a pas vraiment qui fonctionne. C'est assez compliqué. D'ailleurs, j'ai pas donné de petit nom à cette série. Enfin, si je la transforme en série, hein. Ce sera à vous de me dire aussi dans les likes, on verra bien. Bah, elle aura pas vraiment de petit nom spécial. Enfin, je vais voir. Mais dites-moi vraiment dans les commentaires si ça vous plaît. Puis on en fera peut-être une série. Déjà, je compte aussi faire une vidéo avec le petit bus, le fixe bus que vous avez vu. Ça peut être assez cool aussi. Faire un plus long trajet. Et pas des petits arrêts urbains comme ça. A vous de me dire. Hein, c'est vous les seuls décidateurs. Je sais pas trop. à vous de me dire. Enfin, vous voyez, c'est comme les petites vidéos Road Truck ou ATS, hein, c'est des petites vidéos de détente, si on peut appeler ça comme ça. Je suis obligé de les TP un peu dans mon bus parce qu'ils ont un peu du mal à monter, on dirait. Ils sont un peu mous, si vous voyez. Ah, ok, prochain arrêt, Mad Wayne Thunder. Le petit accent anglais qui passe bien. Oh. Oh, what? Il passait de orange à rouge. Alors qu'il n'était pas vert avant. Bref, bizarre. Bon, je commence à en avoir marre de respecter les feux rouges là, surtout sur ce boulevard. Ça devient assez long. Donc, ouais. Bah je vais vous reparler encore un petit peu pendant ces longs feux rouges, inquiétez-vous pas, pas vous laisser solo. Donc je disais juste avant que j'ai essayé de refaire Duel SPDFR, le plus tôt sera le mieux. Je ne donne pas de date pour pas décevoir les gens, parce qu'à chaque fois je dis ouais je vais faire ça, puis au final j'ai du mal à tenir les délais. Et après je me fais engueuler. Mais je vais poursuivre, inquiétez-vous pas. Il y a certaines périodes où j'ai plus ou moins envie de faire de vidéos que d'autres. Et avec la rentrée et tout ça, j'étais dans la période où j'avais pas trop envie. Bon, je pense que vous connaissez un peu cette sensation, quoi. On rentre de l'école, on est crevé. Le seul truc qu'on veut faire, c'est manger, regarder la télé. Et puis voilà, quoi. Enfin, c'est mon ressenti. Ou limite jouer. Mais... Quand je parle de jouer, je pense à faire un petit CS, vous voyez, un petit CS des familles. Je pense pas forcément à sortir mon logiciel de montage, mon petit micro, et puis dire « Hey, salut à tous et à toutes, c'est Crazyman !» Non, je pense pas tout le temps. Je fais aussi play, je me fais des petites parties de CS avec un pote. Ou d'ailleurs, on se fait souvent laminer. Petite dédicace à toi, Alpa, si tu regardes cette vidéo. Enfin, voilà quoi. Je pense que... Enfin, je sais pas, je suis pas dans vos têtes, mais je pense que beaucoup de gens sont un peu comme moi, et qui, une fois rentrés de l'école, ont envie d'être un peu au calme,
un peu peinard quoi. Pas envie de se prendre la tête avec du montage ou des. Enfin, une vidéo à, ouais, à monter quoi, à upload, surtout le upload chez moi. Si vous voyez mon débit, franchement, petite histoire, même petite anecdote. Enfin, si on peut appeler ça une anecdote. Au lieu de d'upload mes vidéos chez moi où j'ai à peine, je dis bien à peine, 1 méga d'upload. D'ailleurs, si j'y pense, je vous mettrai un petit speed test. Vous verrez à quel point c'est désastreux. Enfin, j'ai même pas 1 méga. Donc, pour upload mes vidéos, je suis obligé de prendre mon PC portable qui me sert normalement à travailler. Ouais, je dis bien normalement. Puisque j'ai installé Steam dessus depuis. Depuis voilà quoi, vous pouvez vous douter que je fais plus que travailler. Enfin voilà. Je suis obligé de prendre mon PC portable, d'aller à la bibliothèque universitaire qui est juste en face de mon IUT quoi. Et d'upload mes vidéos quoi, tellement j'ai une connexion pourrie chez moi. Par contre à la BU je suis genre à du 30 mégas en montant, du coup ça se dit quand même. Hein. Enfin je mets beaucoup moins de temps pour upload, inquiétez-vous pas. Du coup, c'est pour ça parfois j'ai des vidéos sur moi, mais je suis obligé d'attendre d'avoir des heures de trou pour upload, si c'est pas malheureux ça. Peut-être qu'un jour, là où j'habite, j'aurai la fibre. Qui sait? Ça viendra peut-être. Oups, je suis sur la mauvaise voie. Vous savez ce que je vais faire, les gens? À moins que. Bon allez, si, petit accéléré, c'est parti! Ah, est-ce que ce sont des clients, une clientèle pour mon bus ou... Ah, non, 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 c'est pas pour mon bus, je crois. Coucou mesdames! Ah, non, elle veut pas monter dans mon bus. Oh, rip. Ok, on n'a rien vu. Je ferai marcher mes relations dans la police pour faire sauter mon PV. Donc voilà, je vais faire un petit accéléré de pas grand-chose, dire de passer quelques petits arrêts. J'ai pas envie que ce soit une vidéo un peu trop longue et un peu trop chiante à regarder, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais vous faciliter un peu la tâche. Enfin, on dirait que c'est une corvée. Non, je dis pas ça comme ça. Mais je vais faire une petite avance rapide. Et puis, comme ça sera un petit timelapse si vous voulez. Voilà. Donc, à tout de suite. Et bon visionnage pour ce petit timelapse. À tout de suite, les gens. On se retrouve juste après. Ok, on est arrivé au prochain arrêt. J'ai fait quelques petites infractions sur la route, je sais pas si vous avez pu voir. Ok, on est reparti. Donc on n'est plus très loin de notre destination finale. Comme j'ai dit, on en a 17, on est au 11e. Enfin, on n'est plus très loin. En plus, on arrive près de la plage. Par contre, je sais pas quelle heure il est vraiment. Il est très tard dans le jeu, enfin de ce qu'on peut voir quand même. Je sais que dans ma ville il y a des lignes soir, je sais pas si vraiment. Enfin je pense que vers Paris il doit y en avoir. Même Los Angeles puisqu'on est à LA. Pour ceux qui ne s'en rappelleraient plus. Donc on est à Los Angeles, donc je pense qu'il doit y avoir des lignes soir quand même. Hein. C'est une assez grande ville on va dire. Donc voilà. On arrive sur une ligne droite où on ne devrait peut-être pas avoir trop de feux rouges. Les gens qui veulent descendre quand même ici? Non? Oui.
Hop. Ok, on est reparti. Donc ouais, comme je disais, on n'a plus tellement tant que ça de route à faire. Oh. Les tournants un peu comme ça, c'est toujours un peu difficile. Ah, j'ai cassé un feu rouge. Rip. Je ne commets que des infractions. C'est cool. En plus, je sais pas si vous avez pu voir, mais durant le petit accéléré que je vous ai fait, il y a une voiture qui m'a coupé la route. Je sais pas si j'ai le droit de tourner. Enfin, il n'y a pas de feu, donc ça veut dire que oui. Allez, tant qu'à faire. Ah, c'est vert, c'est vert. Je prends. Vu la longueur des feux rouges, on va éviter de rater le feu vert quand même. Bon, puisque je la joue quand même assez RP, on va dire. Respecte au moins la signalisation, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Donc, si mes calculs sont bons, plus que 4 arrêts, les gens. Ouais, ouais, c'est ça. Je suis assez fort, vous voyez. Je sais pas, j'ai pas fait extrêmement gaffe si ma jauge de carburant est vraiment descendue. Ou en tout cas, elle a pas tellement bougé. J'ai quand même fait un peu de route quand même. Je sais pas trop si... Même mon kilométrage, bizarre, il bouge pas. Ah, je sais pas si... Oups. Si ma barre du bas est complètement fonctionnelle. Ah, il est sur son iPad, ok. Au calme, la meuf. Enfin, je crois que c'est un iPad. Oups. Petit placement de produit. Non, je déconne. Ouais, ouais, bah, je sais pas s'il fonctionne vraiment, mon overlay tout en bas. Je précise qu'il est avec le mode. Hein. D'ailleurs, si vous souhaitez y jouer aussi au mode, il vous faudra Rage Plugin Hook. C'est la même chose qui est... Enfin... La même chose... Enfin, la chose, putain, la chose. Un plugin, non pas un plugin, bon, je vais y arriver. Un mode qui vous sera aussi essentiel pour jouer à LSPDFR. Donc là c'est pareil, on en a besoin pour jouer avec ce mode de bus. Qui n'est pas qu'un mode de bus, hein. On peut faire aussi des cargaisons en tant que livreur, enfin que chauffeur routier, tout ça. Ça pourrait être cool d'en faire aussi, on verra bien, hein. On verra bien. Je vais noter ça dans un petit coin de ma tête, ou peut-être même sur un bloc-notes, ça ira peut-être mieux, je m'en souviendrai vraiment là. Et puis on essaiera de se faire tout ça, hein, en parallèle au LSPDFR. Donc voilà, voilà. Je vais essayer de reprendre un peu d'activité sur ma chaîne. Puisque je l'avoue ne pas avoir été très actif ces derniers temps. Je m'en excuse d'ailleurs. Mais enfin, ouais, aussi petite histoire aussi, si je fais pas tant que ça de vidéos, c'est parce que j'aime bien quand vraiment c'est bien fait, vous voyez quoi. Enfin, je suis assez maniaque, dès qu'il y a un petit truc qui va pas, c'est je le refais complètement. J'essaierai pas de bidouiller le truc quoi. Je vais refaire complètement et du coup ça peut me prendre parfois du temps. J'aime bien quand c'est parfait, nickel, droit, bam bam bam. Enfin, du coup voilà. Là vous me direz c'est pas très droit Crazy Man, mais c'est un peu détente, c'est à la cool, vous voyez. J'avais jamais proposé juste un peu de vidéo de ce genre, hein, mais là c'est vraiment cool cool attitude. Hein. J'ai même dit des gros mots. Bon, j'en dis tout le temps de toute façon. Hop. Donc, on arrive vraiment sur la fin du trajet. On aura roulé pratiquement toute la nuit en fait. On n'aura même pas eu le temps de voir le si beau soleil qu'arborent les rues de Los Santos. Et oui, parce que je dis des gros mots mais je parle bien des fois. Merde. Oups. je cache juste un gros mot juste après, ça le fait pas en fait. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est ma personnalité qui est un peu comme ça. Un peu. Ouais. What the fuck. En fait, il est 23h,
Je dis un peu de la merde, je crois. Ça doit être ça. Parce que... ouais. Ça doit être ça. Il est tard. D'habitude, je fais pas une vidéo aussi tard. Enfin, quoique... je sais plus. Je sais plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Non, enfin, voilà, quoi. D'habitude, c'est le week-end que je l'ai fait. Là, on est en pleine semaine. On est mardi, si vous voulez savoir. Non, je vais pas dire le jour, parce qu'après... on va me dire, putain, t'as mis une semaine pour la poster, hein, la vidéo. Frappez-moi pas, les gens. Non, mais, enfin, voilà, quoi. Elle arrivera quand elle arrivera. Tout ce que je peux vous dire, les gens. En fait, j'aurais remarqué que ça aurait été une... hein, j'aurais fait beaucoup de first person, parce que j'aime assez la première personne. Dans genre les bus, tout ça, enfin... hop, dernier arrêt qui sera notre terminus. Donc ouais, je disais, j'ai fait beaucoup de première personne puisque bah, je trouve ça assez beau. Après, certes, en troisième personne, on peut voir la texture du bus de la RATP qui est pas mal, mais bon. Là, j'avais décidé de faire un peu de première personne. D'habitude, on me reproche de pas souvent jouer en première personne. Et ben voilà, c'est chose faite. Wow. Petit soleil qui vient juste de passer au-dessus des montagnes, qui vient juste de m'éblouir la gueule. je me suis tâté avant de me dire un gros mot, mais je l'ai dit. Useless. Putain, je vais me taper que des feux rouges pour rentrer jusqu'au dépôt, enfin à la gare, quoi. C'est fou, hein, quand même, comment j'ai pas de chance. Ah bah j'ai encore des gens, d'accord. Ok, on aura presque affronté tous les feux rouges de Los Santos. Enfin, je dis presque, ah c'est bon. C'est nickel. Et on va pouvoir enfin rentrer de cette longue journée, voire longue nuit plutôt. Hop. On va laisser passer la voiture, je sens qu'elle va bien me... non, ça va. J'allais encore être mal poli, vous voyez, c'est plus fort que moi. Ouh, petite manœuvre. Ça passe. Hop, on va les faire descendre juste ici. Pas le temps de faire une manœuvre. Bam. Donc voilà, donc on a le tir récapitulatif, donc on a parcouru la ligne C, on a fait 17 arrêts, pris 46 passagers et gagné un total de 2000$, enfin je crois. J'ai pas bien vu, j'ai pas eu le temps de voir, quoi. Enfin, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, j'avais jamais fait cette ligne-là, mais elle était pas mal. On a fait un petit tour de la ville comme ça, c'était assez cool. Donc, je vais descendre ici. Je vais pas prendre le temps d'aller remettre mon bus au dépôt, hein. Hop, on ferme les portes. Ferme-toi. Hop. Voilà, donc on aura fait un petit service en tant que chauffeur de bus de la RATP. Donc, comme je vous disais, si ce concept de vidéo vous a plu, le petit like, le petit commentaire, faites-vous plaisir, lâchez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis on se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos de ce genre. Et du LSPDFR, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, je vous dis à bientôt, c'était Crazy Man, et portez-vous bien les gens. Tchou.